Bonsoir à tous. Merci d'être présents à cette conférence. On est très heureux avec Benoît de vous accueillir ce soir pour cette restitution et surtout pour nous une des premières conférences en présentiel après 2 ans effectivement plutôt à faire des webinaires. Donc c'est plutôt agréable de vous retrouver en présentiel aujourd'hui pour cette restitution. Vous avez effectivement des QR codes qui sont à votre disposition du fait qu'on va utiliser une solution qui va nous permettre d'interagir entre nous et de poser des questions tout au long de l'événement, et on essaiera de faire en sorte, soit au moment des tables rondes, soit au moment des présentations que l'on fera avec Benoît, de répondre à l'ensemble de ces questions. Juste 2 mots sur le déroulé de cette conférence qu'on va co-animer avec Benoît. C'est tout simplement, on a fait un parti pris de faire un focus sur un certain nombre de sujets, nous permettant effectivement de laisser le maximum de temps aux 2 tables rondes, du fait qu'on a la chance d'avoir un certain nombre de responsables de contrôle de gestion et de financiers qui vont venir nous partager leur expérience. Et bien sûr, il y aura un book qui va sortir avec l'ensemble des données de restitution qui sera disponible en ligne à partir de début avril. Benoît, je te laisse annoncer la suite. Petit souci. Ajustement. C'est pas faute de l'avoir essayé. Ah, voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous. En ce qui me concerne, donc, je vais vous présenter les axes d'analyse qui ont été retenus dans le cadre de cette enquête. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quatre axes d'analyse qui ont été retenus. Un premier autour des people et organisations, où il sera notamment question des compétences des contrôleurs de gestion, des compétences actuelles, mais aussi des compétences futures. Un deuxième axe autour des processus de pilotage, où on questionnera l'évolution de ces processus, donc soit de la planification stratégique, du processus budgétaire, etc. Un troisième point, donc, sur la dimension technologique, où on s'intéressera à la manière dont la technologie, les différentes solutions EPM, BI, modifient, transforment le contrôle de gestion. Et on terminera enfin sur une thématique RSE, où on essaiera de voir quelle contribution, quel rôle peut avoir le contrôleur de gestion dans le cadre du pilotage de la RSE. Ces 4 axes d'analyse nous permettront d'esquisser l'avenir du contrôleur de gestion. Pour faire un petit point méthodologique et de donner quelques chiffres de cette étude, donc on a eu la chance d'avoir énormément de réponses, donc près de 900 répondants, donc qui en fait certainement l'une des études sur cette thématique les plus importantes des dernières années. On a complété également ce questionnaire par un certain nombre d'interviews, donc une vingtaine d'interviews qui nous ont permis d'incarner un petit peu les résultats quantitatifs. Nous avons eu forcément beaucoup de financiers, beaucoup de contrôleurs de gestion, de directeurs administratifs et financiers, des responsables de contrôle de gestion. On a essayé d'ouvrir le questionnaire aux clients des contrôleurs de gestion. On a eu assez peu de réponses. C'est un petit peu dommage, ça aurait été bien de voir le pendant, en fait, des visions des uns et des autres. C'est peut-être le petit regret qu'on pourrait avoir sur la population de répondants. Par ailleurs, on a des secteurs très très variés, hein, qui ont répondu à l'étude, sur les tailles d'entreprise aussi. On a vraiment un panel assez large. Donc voilà pour le panorama de l'enquête. On va pouvoir donc passer au contenu. Donc sur la première thématique, donc people et organisation, donc je vous le disais, qui va particulièrement se centrer sur les compétences. Donc si on a 2 mots à retenir de notre travail, c'est plutôt
une focalisation sur les données, sur les solutions BI notamment, et puis sur les soft skills, notamment sur ce qualificatif qui est utilisé ici de communicant. Donc pour rentrer un petit peu plus dans les résultats, un premier point. Excusez-moi. Ah, ok. Donc un premier état des lieux des compétences, on peut mettre en évidence trois compétences fondamentales pour les contrôleurs de gestion. Alors bien évidemment, une connaissance des processus métiers, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, planification stratégique, les process budgétaires, etc., viennent se greffer à cette compétence fondamentale deux autres compétences sur les solutions IT, sur lesquelles on pourra revenir un petit peu plus loin, et des compétences aussi relationnelles, des soft skills, notamment l'importance du relationnel vis-à-vis des opérationnels, de comprendre le business, d'être pédagogue, etc. Donc ce sont les trois compétences fondamentales qu'on a identifiées. Toutefois, lorsqu'on essaie de rentrer un petit peu davantage dans les résultats, en particulier en s'appuyant sur les entretiens, on constate que les compétences sont appelées de manière un petit peu différenciée en fonction du type de contrôle de gestion. En particulier, lorsqu'on est contrôleur de gestion opérationnel, avec une logique de business partnering peut-être plus renforcée, plus importante, le rôle des soft skills, le rôle de communicant, la capacité à faire comprendre le business, mais aussi à avoir une pédagogie pour faire comprendre aux opérationnels les chiffres, est d'autant plus importante, peut-être que les contrôleurs de gestion centraux en opposition s'intéresseront, ou on demandera à ces contrôleurs de gestion davantage de compétences peut-être sur les solutions IT. Un dernier point sur les compétences. Voilà. Donc c'était les compétences fondamentales que je viens d'exposer. Il y a un besoin peut-être dans les années à venir de recruter des contrôleurs de gestion qui auront des compétences en gestion de projet. Et en particulier dans le cadre de processus de digitalisation de la fonction finance, qui est une évolution majeure de la fonction. Et donc on peut penser que ce type de profil, donc avec les fondamentaux que je viens d'évoquer et avec une appétence particulière pour la gestion de projet, pourront être des profils recherchés par les recruteurs. Je vais désormais laisser la parole à Olivier pour les processus. Alors effectivement, sur les processus, on n'a pas noté que ce soit au travers de l'enquête ou au travers des interviews que l'on a pu mener des changements fondamentaux sur les processus. Par contre, effectivement, la plupart nous ont dit que la fréquence effectivement des reprévisions, la fréquence des simulations a très largement augmenté, et je dirais que certainement la crise n'est pas étrangère à cette demande, c'est la capacité effectivement à pouvoir reprévoir plus rapidement fin de compte à des fréquences plus élevées. Ce qui implique effectivement aussi un autre élément, c'est la simplification, c'est-à-dire qu'on veut avoir des chiffres plus rapidement, on veut pouvoir faire de la simulation, on veut aller plus vite, donc l'objectif derrière c'est de pouvoir simplifier. Après effectivement quand on a posé la question de savoir quels sont les sujets que vous vouliez traiter à 3 ans et les sujets que vous vouliez traiter à 1 an, on voit bien que sur les sujets, effectivement, à 3 ans, le sujet de la stratégie, et là aussi, certainement, la crise que l'on traverse n'est pas anodine par rapport à cette question, c'est qu'effectivement, de repenser effectivement le process stratégique. Et surtout, un des éléments, nous, que l'on voit en tant que consultants, c'est cette relation, à un moment donné, entre la stratégie et l'exécution opérationnelle. On voit encore trop souvent, des fois, des décalages entre la stratégie telle qu'elle est exprimée, définie, et ce qui est véritablement piloté opérationnellement. Et donc, c'est pour ça aussi, un des éléments que l'on voit en second dans les process, c'est les tableaux de bord. C'est comment faire en sorte de s'assurer que les tableaux de bord sont bien alignés avec la stratégie et répondent bien aux besoins de pilotage. Et en troisième position, là, on pourrait penser que le budget était mort. Ben non, le budget n'est toujours pas mort. On voit que le budget fait toujours partie des sujets de préoccupation, que ce soit pour l'année qui vient, mais aussi pour les trois prochaines années.
Après, on a posé la question, effectivement, de savoir quels seraient les sujets, effectivement, à intégrer encore mieux dans le pilotage, de la pilotage à la performance. Et là, on voit bien, effectivement, deux sujets qui ressortent de façon assez flagrante. C'est effectivement le pilotage commercial, le pilotage de la prod et le pilotage de supply chain. Ça veut dire, effectivement, de rentrer dans ce qu'on appelle le X-P&A, donc c'est effectivement sur la capacité à pouvoir faire de la prévision bien au-delà des prévisions financières, mais d'intégrer beaucoup plus les sujets autour de la prévision commerciale, de la production et de la supply chain. C'est ce que les anglo-saxons appellent le XFP&A, donc le Extended Budget, si on peut l'appeler comme ça, et qui est véritablement une volonté de pouvoir intégrer beaucoup plus globalement le pilotage de performance et pas simplement au niveau financier. Donc voilà pour ces deux éléments de restitution autour de people et organisation. Et on vous propose effectivement une première table ronde. J'ai demandé de venir sur scène et d'accueillir donc Anne Cottrell, qui est Senior Finance Manager Business Unit Oncologie d'AstraZeneca. Monique Menevrier, qui est directrice du contrôle de gestion du pôle traiteur de LDC Traiteur. Eric Fressignaud, directeur du contrôle de gestion et de la performance de France Télévisions. Et enfin, Pascal Robin, qui est responsable costing FinOps, ISNCF Solutions de la SNCF. Voilà, on va vous donner des micros. Voilà, merci à tous d'être présents ce soir. Je profite de cette première... Allez-y, prenez place. Oui, asseyez-vous. Je profite de cette première table ronde pour vous indiquer que vous pouvez utiliser le QR code pour pouvoir poser des questions qu'on pourra reprendre et poser à nos interlocuteurs. Merci. Donc, peut-être une première question générique sur la question people et organisation. Pardon. Les compétences, le sujet des compétences. Donc, à votre avis, quelles doivent être les compétences pour les contrôleurs de gestion actuels, mais également futurs? Peut-être commençons par vous, Anne. Oui, merci. Bonsoir à tous. Alors, en effet, les compétences pour être responsable contrôle de gestion, il en faut quelques-unes, mais peut-être j'en citerai trois plus spécifiquement. La première d'entre elles, c'est quand même d'avoir des bonnes compétences financières, parce que vous êtes censé être... la référence ou le référent au sein de votre entreprise de tout ce qui est connaissance en termes financiers, et d'accompagner des gens au sein de l'entreprise qui, eux, n'ont pas nécessairement ces connaissances-là. Donc ça serait la première des compétences que je citerais. La deuxième, c'est de bien comprendre le business dans lequel vous évoluez, parce qu'il est indispensable pour échanger avec vos interlocuteurs et pour les accompagner, de comprendre ce qu'eux font et leurs besoins. Et la troisième, qui à mes yeux est peut-être la plus importante, c'est la capacité à communiquer. Si j'avais à recruter deux contrôleurs de gestion junior, un très bon techniquement mais mauvais communicant, et un deuxième moins bon techniquement mais très bon communicant, sans hésitation, je prendrais celui qui est très bon communicant. Voilà pour moi. Peut-être des réactions, oui. Bonsoir. Bon, je partage... ce que dit ma collègue fonctionnelle. Je compléterais pour ma part sur une dimension importante. Si on doit choisir entre divers candidats, c'est aussi la motivation. La motivation à comprendre un métier dans lequel on arrive qu'on ne connaît pas. La volonté vraiment de participer à un projet. Pour moi, c'est très important, la motivation. Parce qu'avec la motivation, je pense qu'on passe les écueils et les difficultés qu'on peut rencontrer. Et puis la deuxième, c'est aussi d'avoir suffisamment confiance en soi, parce que le monde dans lequel on évolue fait qu'on ne maîtrise jamais tout. Et donc il faut savoir se reposer sur sa confiance, sur ses connaissances, pour pouvoir justement affronter l'incertitude et accepter de décider en environnement incertain, de prendre des hypothèses. Voilà ce que je compléterai. Merci. Bonsoir. Moi, je vais pas reprendre ce que vous avez dit, parce que c'est très juste. J'ajouterais... dans la communication, il y a un point qui est très important, c'est la communication orale, mais aussi écrite. C'est-à-dire que quand vous avez un partenaire et que vous lui donnez des éléments, si vous les donnez par écrit, il va s'en servir.
Après, il va falloir les défendre par oral, et puis il faut être très bon communicant. Enfin, il faut être sûr de soi quand qu'on exprime ces données. Et sur les données financières, c'est une base, en fait. Vos compétences financières sont une base. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande de plus en plus de faire de l'analyse de données, mais qui ne sont pas nécessairement que des données financières. Ça peut être de la planification, ça peut être lié à tout type d'activité qui nous amène à faire de l'analyse qui vous ramène dans votre domaine au final. Donc nécessairement, maîtrisez parfaitement le business dans lequel vous travaillez. Et si vous êtes en centrale, maîtrisez tous les business. C'est encore plus dur, mais en général, quand on arrive en centrale, c'est qu'on a fait quand même quelques business au sein de l'entreprise. Et le dernier point, pour moi, auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est la curiosité et le dynamisme. C'est-à-dire que si vous trouvez, si vous lâchez vite l'affaire parce que vous ne comprenez pas les éléments, ça ne le fera pas. Il faut être extrêmement curieux et toujours être dynamique. Je reprends, je change un petit peu les termes que vous avez dit, mais c'est les mêmes en fait. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment motivé et il ne faut jamais baisser les bras. Voilà. Pascal, vous voulez compléter ? C'est toujours difficile de passer en dernier, mais je dirais, alors pour compléter tout ça, parce qu'effectivement je suis parfaitement d'accord avec vous, aujourd'hui si on ne sait pas communiquer avec les gens pour qui on travaille, parce que finalement on n'a d'existence que parce qu'on accompagne des gens, et on accompagne des gens dont le métier n'est pas la finance. Donc il faut vraiment aussi apprendre à être synthétique, et être capable d'aller à l'essentiel, parce que les gens n'ont pas envie de passer du temps sur la finance. Ils ont vraiment leur métier, et donc la synthèse est aussi une qualité, de mon point de vue, extrêmement importante. Très bien, merci beaucoup. Alors j'en profite pour utiliser les questions du public. On parle beaucoup effectivement de business partner, de business partnering, donc il y a quelqu'un dans le public qui nous demande qu'est-ce qu'est pour vous un business partner. Alors je crois qu'on a un business partner officiellement. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement le terme de ma fonction. Je suis finance business partner. Donc en français, on dit responsable contrôle de gestion. Mais je trouve que l'appellation en anglo-saxonne est peut-être plus adaptée parce qu'elle regroupe trois dimensions en fait. Donc il y a finance, effectivement, donc vous êtes la référence financière pour vos clients internes. Il y a business, la connaissance du business, je crois qu'on en a parlé lors de la précédente question. Et puis partner, parce que vous êtes partenaire de personnes qui ont des objectifs business à délivrer et pour lesquels vous allez être le copilote financier dans la gestion de leur business. Donc finance business partner, c'est vraiment le terme de responsable contrôle de gestion, mais avec la dimension business et copilote du business que vous accompagnez. Très bien, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir, n'hésitez pas si vous voulez réagir. Sinon, moi, j'avais une autre question. J'exposais tout à l'heure les compétences différentielles en fonction du fait d'être en centrale et le fait d'être opérationnel. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui fait sens pour vous dans vos entreprises ? Éric, peut-être ? Pour moi, un business partner, c'est à tout niveau. C'est-à-dire, soit vous êtes dans un business et vous êtes vraiment le partenaire essentiel du patron du business, il faut vous savoir vous rendre essentiel. Il ne peut pas faire sans vous, parce que vous êtes le seul capable de vulgariser les données financières qui vont lui permettre de piloter. Mais en général, quand vous êtes en centrale, vous avez face à la direction générale ou un président, c'est la même chose. Je veux dire, vous êtes toujours un partenaire. Vous êtes là pour copiloter, vous ne prenez pas les décisions, mais vous devez amener des solutions à toute problématique, enfin proposer des solutions. Donc vous êtes un vrai partenaire. Il faut que vous vous rendiez essentiel. Ça, c'est extrêmement important. Très bien. Et sur d'autres réactions sur la distinction qui fait sens ou pas entre contrôleur de gestion centrale et contrôleur de gestion opérationnelle ? Effectivement, contrôleur de gestion corporate, parce qu'on dit plutôt corporate, mais centrale, c'est la même chose. Il y a une tendance à être plus technique dans ces métiers-là. C'est-à-dire que c'est là que, de par toutes les directives de construction budgétaire, de suivi de cash, de tous les éléments que vont faire le partenaire, ça vient en général des directives du central. Donc il y a une plus grande vision, une vision plus globale et plus technique. Donc on est en général moins proche des business et ça peut être plus... Alors comme ça, ça donne un visage moins intéressant qu'un business partner dans un business. Mais en fait, tous les côtés sont bien. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Est-ce que c'est vraiment les mêmes qualités
qu'on doit avoir quand on est contrôleur de gestion opérationnelle ou contrôleur de gestion en centrale. Alors, c'est ça le sujet. Pour moi, les qualités... alors, je vais rebondir ce que vous avez dit. Les qualités d'un contrôleur de gestion opérationnelle, la première qualité, c'est la communication, c'est sûr. Il faut que le patron vous connaisse, qu'il ne sache pas faire sans vous. En centrale, c'est plutôt la technique et la curiosité et savoir... savoir amener les choses là où on veut qu'elles arrivent. Mais pas nécessairement être extrêmement bon communicant, parce que vous ne serez pas en face des gens qui ont communiqué. Les contrôleurs, ils ne sont pas en face du directeur général ou de la présidente chez nous, c'est moi. Donc ça s'apprend avec le temps. Donc c'est moins un élément essentiel au départ. Mais après, ça le devient quand même, enfin, s'ils veulent évoluer. Et personnellement, je suis dans une entreprise décentralisée, et pourtant je suis contrôleur de gestion centrale, on va dire. Et pour notre organisation, le contrôleur de gestion opérationnelle, c'est là où les choses se passent. C'est lui qui a la connaissance des actions terrain, de la réalité opérationnelle. Et donc, tout mon job, moi, c'est justement de capter cette information et de la synthétiser et de la vulgariser et de la simplifier également. Alors, c'est vraiment très important, ce maillage dans une organisation décentralisée. Mais je pense qu'il y a aussi tout un travail quand on est centralisé aussi, pour avoir toujours cette connexion au terrain, parce que c'est là où les choses se passent, fondamentalement. Voilà ce que je voulais préciser. Très bien, merci. Alors, là encore, je me fais le relais du public. Alors, on a une question un petit peu longue. Donc, est-ce que la notion de chaîne de valeur vous parle? Point d'interrogation. À votre avis, quelle est la valeur du contrôleur de gestion, du contrôle de gestion pour l'entreprise? Si votre entreprise était une voiture, le contrôleur de gestion serait quoi à votre vie, à votre avis, les pneus ou le moteur ou... Bah c'est simple, c'est le pilote. Un contrôleur de gestion, ça vérifie que les pneus et le moteur sont en bon état, et après ça pilote. Ou le copilote. Ou copilote, copilote. Mais ça ne sera pas le moteur. Puis une étoile pare-brise, pas que le rétroviseur. Pardon, Pascal, vous voulez intervenir? Oui, c'est aussi le tableau de bord. Parce que c'est lui qui indique ce qui ne va pas, surtout maintenant avec nos tableaux de bord qui sont avec plein d'électronique, plein d'ordinateurs. C'est vraiment ça. C'est le rôle du contrôleur de gestion, c'est d'être en capacité d'alerter, de proposer des leviers. Moi, je dirais que c'est le tableau de bord. Il y a un effet qui est vrai, c'est que les tableaux de bord ont grossi, donc ils donnent de plus en plus d'informations. Et on est susceptible, les DG sont susceptibles de demander de plus en plus information. Donc on doit être... Puis maintenant, les tableaux de bord donnent une analyse de ce qui ne va pas. Et c'est ça aussi, ça va au-delà, ce n'est pas juste donner des chiffres, c'est d'être en capacité de comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres. Et je rejoins effectivement Monique, c'est ça. Le contrôleur de gestion opérationnelle, c'est celui qui est en capacité d'identifier les leviers et de vérifier que les leviers sont bien mis en œuvre et qu'ils portent des effets. C'est vrai que, de mon point de vue, après, c'est effectivement beaucoup plus technique. On fait un reporting beaucoup plus global, beaucoup plus central, justement, avec des grands indicateurs, mais finalement, qui donnent la vision de là où on en est, mais est-ce que ça donne vraiment la vision de là où on va? Après, les chiffres, il faut savoir les interpréter. Et puis, des fois, il ne faut pas avoir peur de donner un chiffre approximatif, mais aujourd'hui, plutôt qu'un chiffre extrêmement exact dans 15 jours dont on n'aura plus du tout besoin. Donc ça, il faut beaucoup de flexibilité et de souplesse, des fois un peu d'intuition, bizarrement, alors qu'on est dans un monde plutôt où on semble être dans un monde à la science exacte, pas du tout. Il ne faut pas avoir peur parfois de naviguer un peu à vue, de donner des approximations, mais au moins qui permettent d'avancer, de prendre des décisions, plutôt que d'attendre la énième étude ou le énième calcul qui vous donnera un chiffre exact, mais beaucoup trop tard par rapport à la décision qui est à prendre aujourd'hui. Ça, c'est un élément important, en fait, je pense. Je suis d'accord, et je dis souvent, mieux vaut 80% tout de suite que 100% jamais. Et ça marche en général beaucoup mieux. En plus, pour compléter, c'est vrai que les indicateurs, on a besoin de base, on ne peut pas produire des informations projetées si on n'a pas un socle sur lequel on peut s'appuyer. Donc c'est très important de maîtriser ce socle et de s'appuyer sur les données financières.
Mais effectivement, il faut savoir intégrer des données extra-financières, il faut avoir de l'intuition. Moi, je crois fondamentalement que le contrôleur de gestion, le plus, c'est justement, il est capable de se déconnecter du chiffre pour justement sentir le market, sentir le business, en étant aux côtés des opérationnels, justement, pour remonter la bonne information. Il doit s'élever. Pardon, je disais, il doit s'élever. Voilà. Il doit prendre de la hauteur. Très bien. Peut-être une dernière question sur la thématique people avant de passer sur processus. Alors j'ai vu une question passer également dans le public à l'instant sur le recrutement. On évoque ses compétences, hein, idéal. La question c'est est-ce que vous arrivez à recruter des contrôleurs qui ont ces compétences et en particulier, moi je parle en tant que formateur, est-ce que les plus jeunes répondent à vos besoins en termes de compétences ? En fait, ça dépend du parcours de la personne. En général, les gens qui sortent de Dauphine, parce qu'il y en a deux chez nous, en termes de compétences, elles sont arrivées avec un très bon niveau de compétences. Ça, c'est bien. Après, dans le cadre d'un recrutement, c'est une base, la compétence. Mais je rejoins ce que vous avez dit. C'est dans l'échange. Et s'il arrive à me convaincre, le candidat, s'il montre qu'il est capable de faire le truc, si c'est un bon communicant, ça va plus le faire que... quelqu'un qui sera moins bien communicant. Ça, c'est important, la relation. Après, les compétences, ça doit être la base, hein, on doit les avoir. Moi, je dis souvent qu'on recrute une capacité à apprendre. Vous avez pris plein de choses dans votre cursus, mais vous allez apprendre beaucoup plus de choses dans la vraie vie. En tout cas, vous allez mettre en pratique vos connaissances, et voilà, c'est vraiment la capacité à apprendre, avoir une tête, pour moi, j'ai toujours une tête, une bibliothèque, c'est-à-dire je dois savoir chercher où les informations, je les ai apprises, pour les mettre de manière opérationnelle dans mon quotidien de la vie d'entreprise. Oui, et puis il faut savoir s'adapter aussi, parce que si vous changez souvent de société, il y a plusieurs outils sur le marché qui ont en fait le même fond, mais l'utilisation est différente. Donc il faut aussi savoir s'adapter rapidement. Et puis, je compléterai par la curiosité vis-à-vis du business de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Si je peux juste prendre mon exemple, par exemple, je travaille dans l'industrie pharmaceutique, avec beaucoup de médecins, de chercheurs. Évidemment, je n'ai pas du tout les compétences de ces gens-là à ce niveau-là. Mais il m'est arrivé de faire des journées duo avec des visiteurs médicaux, d'aller dans les hôpitaux, d'aller auprès des médecins. Ça m'a permis de comprendre quel était le business. J'étais uniquement observatrice, parce que incapable d'intervenir, la matière étant trop technique pour moi. Mais le goût de ce business-là, c'est important de l'avoir pour ensuite, dans votre métier de contrôleur de gestion, d'intégrer et de comprendre pourquoi les chiffres sont ceux qui sont. Et ça vous permet énormément après de donner du relief aux chiffres. Donc aimer, enfin, si j'avais un conseil, c'est aimer le business dans lequel vous évoluez. C'est vraiment important. Soyez curieux de ce business-là. Très bien. Belle conclusion de la partie people. Donc, pour passer à la partie process, la question c'est quelles sont les évolutions que vous envisagez dans vos process métiers, dans votre planification stratégique, dans vos process budgétaires, ou quels sont ceux que vous envisagez faire dans le futur ? Globalement, chez nous, je vous avouerai que à la SNCF, les process changent souvent. Donc on s'adapte. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de mettre en place plus de rolling forecast, c'est-à-dire être en capacité de réajuster les budgets très très vite. Alors pourquoi ? Parce que le business, on a tous vécu la période du Covid où on s'est aperçu qu'il fallait réagir très très vite parce que du jour au lendemain, il n'y avait plus personne dans les trains. Donc forcément, on se dit qu'il faut diminuer les coûts. Donc il faut aller très très vite. Et donc ça nous oblige finalement à travailler différemment. Au-delà des outils, alors mettre en place des outils c'est très compliqué sur une période très courte, mais effectivement au-delà des outils c'est se concentrer, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que, oui, on sait qu'on n'est pas tout à fait juste, mais on se concentre sur les postes de coûts importants et on a cette bonne connaissance de ce qui est variable et de ce qui ne l'est pas. Et c'est vrai que globalement, là, aujourd'hui, là où on voit qu'on va devoir également changer notre process, c'est parce que le paysage ferroviaire va complètement changer, que demain, il va y avoir des concurrents, ce qui est quand même assez nouveau pour nous, il faut le dire,
Et de ce fait-là, il va falloir qu'on soit en capacité de répondre différemment, entre autres, par exemple, à des filiales, puisque demain, chaque autorité organisatrice dans les régions va donc désigner quelqu'un qui fera rouler les trains, et nous, on va créer des filiales pour répondre aux appels d'offres. Donc, on va avoir un paysage de clients qui va changer, et donc, on va être obligé encore de s'adapter à ça. D'accord, très bien, merci. D'autres évolutions, Anne, peut-être ? Oui, il y avait une très bonne question sur l'intelligence artificielle. Est-ce que demain, l'intelligence artificielle pourrait faire notre métier ? Alors, la réponse est oui. Mouliner des chiffres, faire des forecasts à 10 ans, tirer des traits, l'intelligence artificielle peut le faire, et même peut-être mieux que nous. Et puis, de toute façon, on sait tous qu'un budget, c'est toujours faux. Donc, on pourrait le refaire autant de fois qu'on veut, ça ne serait jamais exact. L'important, c'est d'avoir une direction. Par contre, là où l'intelligence artificielle ne pourra pas nous remplacer, c'est justement sur la connaissance du business et l'appréciation de l'environnement dans lequel on évolue. C'est pour ça que, voilà, demain, vous serez encore largement nécessaire aux organisations, me semble-t-il. Merci. Peut-être sur l'évolution des processus. Éric ? Alors, l'évolution du processus, nous, on a vécu 2 années comme vous, avec beaucoup de variations liées à la pandémie, au confinement. On a eu des gros impacts. Donc, il a fallu qu'on fasse des forecasts réguliers, tous les mois, ce qu'on ne faisait pas avant. On en faisait plutôt sur la fin de l'année, on en faisait un au trimestre, grosso modo. Donc, on a pris un rythme différent, ce qui a nécessité beaucoup de tensions. Et il a fallu écrire des processus écrits, parce qu'on était tous en télétravail, donc on ne pouvait pas expliquer ce qu'on attendait. Bon, ça n'a pas été une réussite. On est tombé très loin de l'atterrissage. Et là, je vais répondre sur ce que vous dites. C'est sûr que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer quelqu'un sur la vision de l'atterrissage, sur la connaissance du business. Il y a quelques années, parce que moi, ça fait 30 ans que je fais ça, il y a quelques années, il y avait une mode, c'était la délocalisation. Je parle de l'externalisation, puis la délocalisation du contrôle de gestion. Alors, on a eu j'ai un collègue là récemment, je vous raconte une petite anecdote. C'est Nestlé, en fait. La branche France de Nestlé a délocalisé sa comptabilité et tout son contrôle de gestion en Ukraine, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de compte. Donc, tout a une limite. Il faut bien réfléchir à votre valeur ajoutée, mais elle est toujours là. Aujourd'hui, ils ne savent plus piloter parce qu'ils n'ont plus personne pour répondre. Bon, c'est un groupe riche, ils vont rapatrier les gens, ça va être vite réglé. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, même si on met de l'intelligence artificielle pour remplacer tous nos processus, parce que les processus posent question, c'est pour ça qu'ils sont remis en cause, hein. Quand il y a quelque chose qui arrive, l'intelligence artificielle va se baser sur des processus récurrents, et nous, on les change régulièrement parce qu'on s'adapte au métier, au business ou à l'actualité. Et bon, c'est vrai que là, ces 2 dernières années, on les a beaucoup changés. Nous, on a un enjeu important, c'est, je vous donne un exemple, c'est sur la masse salariale, la variation de congés payés, si on la gère mal, ça peut nous coûter plusieurs millions d'euros, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, on a mis en place un nouveau processus au mois de septembre, qui n'a pas porté ses fruits, parce qu'on pensait que l'application de ce processus amènerait à être plus, avoir une prévision plus juste. Bon, c'est quelque chose qu'il faut qu'on remette à plat. Mais les processus sont faits pour évoluer en permanence. Donc oui, on a changé pas mal les processus. D'accord. Monique, peut-être ? Je compléterai. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que souvent les modèles, c'est des modèles complexes, souvent basés sur des données historiques, et on ne peut pas dire que le Covid soit une donnée historique sur laquelle on puisse se projeter. Donc de toute façon, ça c'est limite, et avant tout, ce sont des outils d'aide à la décision, mais des outils d'aide. Et la décision, ça sera toujours subjectif, ça sera toujours des hommes qui la prendront par rapport à ce qu'ils pensent faire. Et je rejoindrai aussi par rapport à la vision que l'on a de notre entreprise, de là où on veut aller. Parce que dans un monde incertain, il faut quand même avoir une vision. Voilà. Peut-être une dernière question sur les processus et l'évolution. On a parlé tout à l'heure de rolling forecast. Le budget peut poser question. Est-ce que... voilà, modifier le process budgétaire, le simplifier, passer sur des rolling forecasts, voire piloter sans budget, est-ce que c'est des choses qui,
qui peuvent émerger dans vos entreprises ? Donc dans mon entreprise, on a surtout accéléré pour simplifier la façon dont on procède à la construction budgétaire pour vraiment être plus dans une logique de suivi de menaces-opportunités. Ce qui fait qu'en fait, on réactualise finalement les hypothèses budgétaires sur les trois critères que vous aviez pris en évidence, c'est-à-dire le commerce, donc les sales, la production, surtout nous, les matières premières, donc la volatilité est complexe, et puis effectivement la chaîne de flux de transport. Voilà. Donc uniquement sur trois éléments significatifs. Anne, peut-être, je ne sais pas si vous êtes... Oui, alors, piloter son budget, non, on ne s'y est pas encore risqué. On continue à faire un budget annuel, mais que l'on revoit à intervalles très très réguliers et de plus en plus souvent. Maintenant, l'essentiel, c'est d'être réactif, d'être flexible et de savoir sortir un update, donc une mise à jour du budget, suffisamment rapidement pour nous aider à prendre des décisions. Donc, oui, on a des outils qui nous permettent d'avoir des revues budgétaires plus courtes, moins détaillées, mais qui nous donnent à un instant T une vision peut-être plus exacte que si on ne faisait rien du tout et qu'on attendait l'année suivante pour refaire un budget. Donc, les exercices de rolling forecast est vraiment devenu un quotidien, en fait. Eric, est-ce que ça... Voilà, c'est la question du budget, de simplification. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se pose ? On est un peu dans la même situation que vous, c'est-à-dire que nous, maintenant, on fait un rolling forecast, tout le temps, quasiment, on met tout le temps à plat. Mais le budget, on le fait une fois et on ne le bouge pas. Il y a plusieurs raisons, mais il y a des raisons très pragmatiques. La présidente, elle découpe son budget dans ses membres du COMEX, ils ont tous un objectif budgétaire. Et donc, ils ont une grosse part variable là-dessus. Donc, si on bouge le budget, ça nécessite encore beaucoup de modifications. Donc, le budget est une base et on s'y réfère toute l'année. Après, s'il y a des écarts, ça s'explique. Hein. Je veux dire, la pandémie a eu des impacts énormes dans certains business. On a des sites de production qui sont arrêtés complètement, donc avec des coûts importants, parce qu'on avait des coûts fixes sans travaux, donc sans refacturation. Donc, on l'intègre et c'est la présidente qui décide si ça a un impact ou pas. Mais le budget, c'est la référence de base. C'est pour ça qu'on ne touche pas trop le budget. Par contre, maintenant, depuis la pandémie, on fait des rolling forecasts tout le temps. Et donc, comme ça, la présidente et la direction générale sont au courant de l'évolution des business. Très bien, merci. Une dernière réaction peut-être sur l'analyse des écarts, hein, c'est quand même un des jobs premiers du contrôleur de gestion. Il faut être quand même féru de ça. Très bien, ben, merci beaucoup pour cette table ronde. Nous allons passer à la thématique suivante. Bon, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Effectivement, on va pouvoir passer à l'autre thème, même si on a commencé déjà à l'aborder. Effectivement, autour de la technologie et de savoir dans quelle mesure, en fin de compte, la technologie, donc on a commencé à en parler, de l'intelligence artificielle, on peut parler de la robotique, mais aussi de toutes les solutions digitales qui s'offrent aujourd'hui à nous. Voilà. Ce que l'on voit effectivement sur la transformation digitale des organisations, on voit bien que c'est un enjeu majeur aujourd'hui de la plupart des organisations, qu'elles soient publiques, privées. C'est un véritable enjeu de pouvoir se digitaliser. Et en plus, je dirais que la crise a été un bon révélateur de montrer que ceux qui s'étaient digitalisés sont sortis quand même un peu mieux que les autres qui ne l'étaient pas. Et effectivement, c'est ce que montre aujourd'hui l'enquête et les répondants à cette enquête, et que ce point est confirmé par quasiment un tiers des répondants, que effectivement les solutions IT vont être une aide pour faire cette transformation digitale. Toujours est-il que cette transformation digitale, elle est remplie de paradoxes. Pourquoi est-ce qu'elle est remplie de paradoxes ? Parce que, un, on voit encore que Microsoft Excel, premier outil du contrôleur de gestion, est encore largement prédominant, mais on note quand même, depuis deux ans, une petite régression de Excel par rapport aux autres solutions du marché, hein, les autres outils OPM. Hein. Globalement, aujourd'hui, sur le marché, hein, il existe 14 solutions OPM, mais on voit que
Excel est encore présent. Et alors, ce qui est d'autant plus antagoniste, c'est que quand on pose la question à ceux qui ont des solutions, ben, fin de compte, globalement, ils ne sont pas satisfaits. Voilà, on voit qu'effectivement, plus de deux tiers des répondants jugent que leur solution EPM n'est pas suffisamment orientée utilisateur. 60% aussi estiment que leur solution EPM ne permet pas de répondre à leurs besoins et leurs enjeux. Alors, on peut avoir différents niveaux de lecture par rapport à ce retour-là. C'est qu'on voit bien aussi que les solutions qui sont encore largement prédominantes sur le marché, Oracle, SAP, IBM, on est pour la plupart sur des anciennes technologies. Donc on voit effectivement, et quand on analyse un peu plus finement les choses, on voit que les entreprises qui par contre sont arrivées sur les nouvelles solutions, les nouvelles technologies, on a quand même des répondants qui sont quand même plus satisfaits des solutions. Mais surtout ce qu'on voit au niveau des solutions, alors moi en tant que consultant, on voit régulièrement avec des clients qui nous appellent en disant mais la solution ne marche pas. Non, ce n'est pas la solution qui ne marche pas. La solution marche très bien. C'est un, qu'est-ce qu'on en fait? Deux, les données qu'on y met dedans. Et fin de compte, un des véritables sujets aujourd'hui et que nous on rencontre sur un bon nombre de projets, c'est effectivement la qualité de données. Et c'est un prérequis important. Les données, les référentiels, c'est un prérequis important avant de se lancer dans un projet EPM ou Datavise. Le deuxième sujet aussi, pour lancer effectivement et la mise en place de ces outils-là, c'est est-ce que, fin de compte, l'organisation est suffisamment mature aussi pour intégrer cette solution et surtout l'utiliser au mieux de ce qu'elle sait faire. Je vois encore trop souvent des clients qui ont installé des solutions EPM, qu'est-ce qu'ils font? Des reporting comptables. Ok, ça peut être un objectif, mais ça permet de faire bien plus que ça. Et dernier élément, celui-là sur lequel nous aussi, en tant que consultants, on essaye d'insister énormément auprès de nos clients, c'est la conduite du changement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, on estime que 3/4 des projets de transformation échouent. 3/4 des projets échouent. Et ils échouent pourquoi? Tout simplement, on s'aperçoit que la conduite du changement n'a pas été suffisante et surtout ne s'est pas inscrite dans la durée. Un autre chiffre à avoir en tête, on estime que à peu près 2/3 des utilisateurs, quand on vient les interroger un an et demi après le projet, nous disent que fin de compte, ils n'ont pas été accompagnés. Alors même que pendant le projet, on a mis des forces, on a fait de la communication, on a fait de la formation. Mais fin de compte, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Faut savoir aussi que à peu près 50% du contenu d'une formation est oublié dans les 24 heures. Donc vous pouvez passer des heures et des heures, des journées à prendre les gens, à les former. De toute façon, dans les 24 heures, ils en ont oublié 50%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on le voit bien que les transformations, et quand on parle de transformations de process, l'appropriation d'une nouvelle solution, des changements de règles de gestion, ça prend minimum entre 24 et 36 mois. Donc ça veut dire que si on n'accompagne pas l'utilisateur depuis le début du projet jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle et surtout après la mise en œuvre opérationnelle, et ben tous les gains qu'on pouvait espérer de mettre en place des solutions, et ben généralement, on ne les a pas. Donc ça, c'est véritablement un élément qu'il faut prendre en compte dans la transformation digitale. C'est effectivement l'humain et le fait d'accompagner les gens pour qu'ils puissent réussir leur transformation. Benoît, RSE. Donc après l'enjeu de digitalisation, l'enjeu de RSE, et notamment la contribution ou la place que pourrait prendre le contrôle de gestion dans le cadre de cette RSE. Alors, dans un premier temps, j'ai moins le feeling qu'Olivier pour... On l'a bien testé avant. Ouais. Ah, ok. Pardon. Donc, pour faire un état des lieux déjà des outils de pilotage de la RSE qui sont utilisés, quelques chiffres. Donc, comme vous le voyez ici, il y a 32% des entreprises qui mettent en place un reporting RSE. Ce pourcentage augmente un petit peu lorsque on focalise l'attention sur les entreprises du B2C,
probablement parce qu'ils sont plus sensibles aux attentes sur des préoccupations environnementales, sociétales de leurs clients. Autre élément, le pourcentage monte également à 45% quand on se focalise sur des entreprises de plus de 1000 salariés. Là, on peut imaginer que la réglementation, entre autres, pèse sur le choix de, enfin sur le choix ou sur l'adoption de ce reporting RSE. Toutefois, cette question RSE commence à devenir un enjeu, il constate, et c'est ce qu'on a vu dans le cadre d'entretien notamment, un manque de structuration du pilotage de la RSE. Alors souvent, c'est réalisé dans des entités RSE, et la question, comme il y a une prise en considération de plus en plus forte de ces questions, savoir quelle gouvernance on met en place, comment on structure le pilotage de la RSE. Et dans ce cadre-là, se pose la question du rôle du contrôleur de gestion. Et donc, sur cette question, alors là, décidément, bon, ça y est, j'ai le slide. Ah, décidément. Excusez-moi. Ok. Quand on demande aux répondants de l'enquête s'ils pensent que le contrôle de gestion a un rôle à jouer dans le pilotage de la RSE, le résultat est un plébiscite. Près de 91% de ceux qui ont répondu considèrent être d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que le contrôle de gestion a un rôle à jouer dans le pilotage de la RSE. En particulier, pour affiner ces résultats, dans le cadre des entretiens, on a vraiment des financiers qui nous disent qu'effectivement, le contrôle de gestion a un rôle à jouer, et en particulier, a une compétence à faire valoir, et qui est quasiment inégalée dans l'organisation, celle de savoir mesurer, celle de savoir fiabiliser des chiffres, produire des chiffres, mesurer des chiffres, analyser les chiffres, etc. Et que cette compétence qu'ont les contrôleurs de gestion peut s'avérer extrêmement importante pour prendre un rôle dans le pilotage de la RSE. Donc, on peut passer désormais à la table ronde. Je ne sais pas, tu as plus de films que moi. Donc pour cette deuxième table ronde donc sur la thématique technologie RSE, vous allez pouvoir poser les questions sur l'intelligence artificielle qui ont été posées notamment précédemment. J'appelle Nicolas Kivigère, directeur du contrôle de gestion financier du groupe Barrière, Nicolas Berlan, professeur des universités à Paris-Dauphine, Delphine Régalet, Head of Controlling Asia et Europe chez Makeup Forever, et Didier Campanella, directeur du contrôle de gestion de Leroy Merlin. Alors, on va aborder le sujet de la technologie et effectivement de la RSE. Première question, Delphine, est-ce que vous pensez que la technologie peut être un vecteur, un accélérateur de transformation du contrôle de gestion ? Bonsoir. Alors oui, bien sûr, ça l'est. Je crois que je vais pas mal rebondir sur ce qui était dit sur les process et les tableaux de bord. Évidemment, la technologie, pour moi, c'est surtout ça reste un support, ça me permet de gagner du temps, puisqu'il y a beaucoup de consolidation de données qui reste à faire, ça permet de fiabiliser la donnée. Et on parlait à un moment du contrôleur qui doit être assertif, qui doit avoir de la confiance, donc la technologie aide clairement à ça. Excel reste très utile, mais de le mettre dans un outil et de le formaliser, ça permet de mettre tout le monde d'accord. La deuxième chose, justement, c'est que la technologie, pour moi, quand on parle de RP, de BI, ça permet de construire un langage commun entre plusieurs métiers, puisqu'il va falloir rentrer une donnée, on va rentrer dans quelque chose qui est plus figé. Il n'y a pas cette liberté avec Excel où chacun va aller adapter son indicateur parce qu'il veut faire passer un message différemment. Donc de le mettre dans un outil, ça permet d'entre différents métiers de dire « Ok, quand on regarde ce KPI, donc cet indicateur, on est tous d'accord qu'il est calculé de cette manière et c'est ça qu'on veut chercher à dire derrière. » Et enfin,
Effectivement, on disait qu'il y avait à peu près trois quarts des projets, alors intelligence artificielle, robotisation, ERP qui échouaient, parce que les gens ne finissaient pas par l'utiliser. Donc j'en reviens au côté communicant de contrôleur de gestion, de continuer à accompagner. Vraiment, le plus gros challenge, c'est d'aller convaincre les non-financiers comment ils vont pouvoir se servir de cette donnée. Et on en revient en fait au, je dirais, au cœur du métier de contrôle de gestion, qui est une fonction support, et de montrer, de dire, regarde, grâce à ça, tu vas pouvoir davantage piloter ton business. Voilà. Merci Delphine. Nicolas, Lucien Barrière, sur le sujet de la technologie. On est, tout est dit dans le nom, on est un vieux groupe, on a 110 ans, on est une ETI, donc on est ni gros ni petit, donc on a tous les mauvais côtés, mais aussi tous les bons côtés. Et donc, la crise, ça a été formidable, hein, parce que j'ai pu enfin démontrer que, entre guillemets, les anciens avaient raison. Nous, on est tous partis, on va faire des modèles, on va faire des trucs, alors évidemment sous Excel, parce qu'on n'était pas équipés, ou mal équipés. Donc je pourrais faire des heures sur pourquoi on rate un projet d'EPM ou un projet de BI, mais, et en fait, les anciens, ils nous ont dit, mais les jeunes, vous êtes complètement fous. Il y a trois paramètres importants. C'est combien je crame de cash par mois quand je suis fermé. Bon, ça, finalement, on le sait assez vite. Et après, c'est qu'est-ce que je fais pour serrer partout je peux serrer. Et finalement, Excel était suffisant pour ça. Mais quand vous travaillez au quotidien, et finalement, là, maintenant, on est rentré dans une période où on est en semi-crise, et là, c'est plus compliqué. Parce que votre coût fixe et votre coût variable, y a du semi-variable, et puis il y a les opportunités, je ferme ce point de vente, je l'ouvre, je fais rouler un train, bon voilà. Et là vous avez besoin d'outils beaucoup plus perfectionnés, mais il faut rester simple. Merci. Didier, la situation chez Leroy Merlin? Alors la situation je dirais pas, mais je vais parler surtout de l'EPM. Non, pour moi je rejoins un peu ce qui a été dit. D'abord la priorité c'est effectivement de rester simple et de pouvoir maîtriser les affaires. Par contre ce qui est sûr, c'est que je trouve que c'est une opportunité exceptionnelle pour faire quelque chose dont il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire en fait de décommissionner une partie du contrôle de gestion. Et on va décommissionner la partie finalement qui est la plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des outils qui sont bien préparés, qui sont bien calibrés, qui vont permettre en fait de ne pas faire toutes les tâches de concaténation et de reporting qu'on pouvait faire avant. Et ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors, est-ce que c'est indispensable? Moi, ma conviction, c'est que ça l'est. Ça l'est parce qu'en fait on a besoin toujours de plus de données, je crois que ça a été dit tout à l'heure dans le groupe précédent, on a besoin d'aller toujours plus loin et bientôt on aura besoin d'intégrer des données qui viennent du contexte externe, c'est-à-dire qu'on doit être capable de comprendre ce qui se passe et de pouvoir l'intégrer rapidement pour avoir des réactions plus rapides pour adapter, ajuster notre business. Et donc du coup c'est une vraie opportunité ces outils-là pour les mettre en place. Par contre y a une règle, hein, c'est que quand on met un outil, on met pas l'outil pour régler un problème. On met un outil parce qu'on a réglé le problème et on vient mettre l'outil par-dessus. Vous savez, c'est un peu comme le concept des algorithmes. Un algorithme, ça vient sublimer ce qu'on sait déjà faire. Essayez de faire un algorithme quand vous ne savez pas où vous n'allez pas y arriver. Donc voilà, les outils, en fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en avoir peur, mais il faut que ça sublime ce qu'on sait déjà faire. Voilà. Et donc je pense qu'il faut y aller, mais bien y aller. Merci Didier. Nicolas, votre vision, vous, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, sur le sujet de la technologie aujourd'hui? Oui, la technologie, c'est un gros problème, en fait, parce que je crois qu'on attend beaucoup de la technologie. Et ça fait un petit bout de temps qu'on attend beaucoup de la technologie, et ça pose des vrais problèmes. Tout à l'heure, le mot de maturité a été utilisé. Je voudrais revenir là-dessus. La première fois que j'ai rencontré le sujet, c'était dans les années 50. Je n'étais pas né, hein. J'ai lu sur le sujet. En fait, on a envoyé plein de cadres, en fait, aux États-Unis pour savoir pourquoi les Américains étaient meilleurs, qu'ils maîtrisaient mieux les technologies que nous. Et ce qui est très intéressant, les Anglais ont fait la même chose, ça s'appelait les missions de productivité. Et ils sont revenus en disant qu'en fait, en matière de technologie, on est au même point qu'eux. En revanche, ce que l'on ne maîtrisait pas, en fait, c'était l'utilisation en fait de ces technologies, et notamment l'humain. On a parlé des soft skills tout à l'heure, la façon de les intégrer. Et ça a développé tout le courant des relations humaines, en fait, la façon dont on change en fait notre manière d'interagir avec les autres pour intégrer la technologie. Donc la technologie, on fantasme souvent en fait sur la technologie. Mon première expérience en entreprise,
une grande entreprise d'assurance, m'a expliqué que c'était longtemps, que ça irait mieux bientôt parce qu'on avait des ordinateurs en fait. Donc ça, c'était formidable. Donc je suis pas certain que j'ai jamais vu fonctionner pendant le temps que j'y étais. Ils avaient manifestement, il manquait quelque chose. La technologie, moi, je suis toujours un petit peu méfiant parce que ça sonne un petit peu comme la solution magique qui va nous sortir plein de problèmes. En fait, il y a une interface entre la technologie et l'humain qui est extrêmement forte et qui est très compliquée à développer. Je vais faire de la pub pour un de ces éditeurs. En fait, j'avais rencontré des gens de chez Oracle et sur des problématiques de contrôle de gestion, ça n'a rien à voir avec les systèmes d'information. J'ai hésité à les voir parce que je m'étais dit, ils vont me faire le bilan. Oracle, c'est super, c'est génial, tout ça. Première rencontre, ils ne me parlent pas de leur système d'information. Okay. Deuxième rencontre, ils ne me parlent pas de leur système d'information. Okay. Troisième rencontre, ils ne me parlent pas de leur système d'information. Donc là, je commence à m'inquiéter. Je leur dis, mais des systèmes d'information. Ah non, mais attendez, ça arrive, c'est la dernière couche, en fait. Si votre système, il est tout pourri, en fait, ça ne marchera pas. Donc chez nous, c'est crayon, papier. Et puis après, on met en place le système. Comme ça, on forme les gens. Quand ils vont chez nos clients, ils sont meilleurs. Alors, je n'ai pas d'action chez Oracle, mais je me dis, ouais, ça me parle, en fait. Voilà. Merci. Alors, plusieurs questions là, qui nous sont posées effectivement autour de pourquoi les solutions de BI EPM ne sont pas plus utilisées. Je ne sais pas si vous avez, par rapport à vos entreprises, des expériences de fait que les solutions ne sont pas utilisées. Didier, chez Leroy Merlin. Alors, nous, chez Leroy Merlin, alors sur les solutions de BI, on les a. Les solutions EPM, je suis en train d'en mettre une en place. Donc, voilà. Et en fait, sur l'utilisation, mais de manière simple, hein, c'est juste parce qu'on a peur de passer au next step. Et surtout, alors ça, je vais parler pour chez nous, mais c'est contraignant d'écrire tous les process, en fait. Donc, du coup, en fait, quand on commence par un EPM, on ne commence pas par le truc... j'aime bien l'image du crayon et du papier, je vais la piquer. Je vais leur redire. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au départ, tu démarres avec ton crayon et ton papier et tu écris le process. Quoi. On ne t'a pas demandé de jouer avec l'outil. Et donc, c'est beaucoup moins sexy que de te dire je passe tout de suite sur un outil. Donc, au départ, on vous dit tu vas avoir un outil, il y a les yeux qui brillent. Et puis là, après, on te dit bah, tiens, tu as un crayon et un papier. Et là on est oh, ok, mais c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Et donc, du coup, je pense qu'il y a aussi cette réfraction-là qu'on a. Parce qu'en fait, ouais, ça demande un peu de sueur avant de pouvoir accélérer sur la suite. Et donc, la sueur, il faut l'accepter et il faut en être fier de le faire pour pouvoir accélérer. Et donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Delphine, est-ce qu'une des causes aussi, c'est à un moment donné, on veut aller à un niveau de granularité tellement fin. Alors effectivement, aujourd'hui, la technologie nous permet de gérer de plus en plus de volumes de données. Et fin de compte, on se dit, bah, super, on va en mettre beaucoup dans les systèmes d'information, beaucoup dans nos outils. Fin de compte, est-ce que ce n'est pas ça aussi, à un moment donné, qui est un frein de vouloir trop en faire? Ah oui, on s'en est parlé tout à l'heure et j'allais rebondir là-dessus. Ça rejoint ce que vous disiez dès le départ. Il faut d'abord... Je pense qu'il y a un écueil où on veut être trop ambitieux dès le départ, on veut faire trop plaisir à des gens non financiers, tu vas voir, ça va être super, et puis après on se pose et on se dit ah oui d'accord, pour effectivement avoir cette solution BI où je vais pouvoir croiser des données de production avec ma donnée de vente et derrière avec ma donnée client final, in fine on se rend compte que c'est beaucoup trop compliqué à mettre en place. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut y aller étape par étape et je pense que ça explique pourquoi on n'utilise pas ensuite. C'est effectivement ces systèmes d'information. Nicolas, je crois que tout a été dit là. Si en plus vous rajoutez la politique dans les organisations, que c'est pas la bonne personne qui porte le bon projet, alors là, entre celui qui veut papa maman le café machin, c'est très compliqué. Et puis il y a peut-être quelque chose avec les jeunes générations et là pour le coup je me mets avec les jeunes. C'est vrai que entre le monde dans l'entreprise et la vie privée, il y a une différence. Vous avez tous votre iPhone ou votre Samsung, peu importe. Vous avez une expérience, une fluidité incroyable. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez même acheter n'importe quoi à l'autre bout de la planète. Et vous arrivez dans l'entreprise, il y a une legacy avec des systèmes qui sont parfois très anciens. Alors, ce n'est pas le cas chez nous, on est plutôt moderne, mais j'ai connu des boîtes où il y avait des AS400 il y a 3 ans. Quoi. Donc, ça ressemble à un écran de Nitel pour les plus jeunes. C'est hyper robuste, c'est hyper fiable, mais c'est vrai que c'est pas la même... Voilà, et je pense que les EPM ont mis un peu de temps. Là, aujourd'hui, on a, je pense, sur le marché des choses un peu plus sexy, mais on a mis un peu de temps à avoir une fluidité de utilisateurs. Oui, c'est vrai, depuis maintenant 5-6 ans, effectivement, les éditeurs ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de rendre leur solution plus... agréable, effectivement, qui ressemble aussi des fois étrangement à du Excel, mais sans être dans du Excel. Voilà, donc effectivement, il y a eu un certain nombre de progrès,
mais ce n'est pas encore suffisant aujourd'hui, et on le voit bien. Alors, il y a plusieurs questions autour de l'intelligence artificielle et des robots. Effectivement, la robotisation, c'est plus l'industrialisation d'un certain nombre de tâches. Et fin de compte, il y a pas vraiment d'intelligence derrière, c'est plutôt d'industrialiser. Et effectivement, aujourd'hui, alors, peut-être que vous auriez des contre-exemples. Aujourd'hui, quand nous, on discute avec les éditeurs de logiciels, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans le contrôle de gestion, je rêverais de l'avoir. Mais pour aujourd'hui, je n'ai jamais vu aucune entreprise, aucun projet véritablement assis sur de l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas s'il y a des réflexions dans vos entreprises respectives autour des sujets d'intelligence artificielle appliqués au contrôle de gestion. Ou Nicolas, je ne sais pas si vous avez des... En fait, je pense que ça fait partie du fantasme un peu généralisé. Je suis membre d'une association qui s'appelle la DFCG, l'association directeur financier contrôleur de gestion. Je suis membre de leur comité scientifique, d'autres trucs. On discute souvent de ce sujet-là. Il y a un livre blanc qui est sorti il y a quelques années. En gros, les discussions entre nous en off, ça manque un peu de cas d'usage quand même. Voilà. Donc effectivement, on en parle beaucoup. Après, moi, je fais des thèses, j'ai une thésarde qui travaille sur le sujet, ça manque de cas d'usage, j'allais chez un consultant, mais ça manque de cas d'usage. Je viens de lire une thèse qui a été faite à l'ESCP, ça manque de cas d'usage aussi, donc voilà. De la RPA, il y en a pas mal, effectivement, ça j'en vois. Ce que j'ai peut-être vu le plus avancé, c'était dans les banques, parce que là, la matière première, c'est de la data, en fait, donc c'est plus simple. Moi, je voudrais juste rajouter un truc par rapport à ça, parce que je suis plutôt d'accord avec le fantasme. Ça viendra peut-être, et quand ça viendra, au contraire, on sera les premiers à dire on y va et on le fera. Avant d'arriver à l'intelligence artificielle, il faut peut-être déjà arriver à maîtriser la data et son utilisation. Je suis peut-être un peu provocateur, mais moi en ce moment, j'ai un terme qui est dit à peu près dans toute l'entreprise qui s'appelle OBEIA. Bon, alors, c'est un sujet de data vise, bref, peu importe, on peut l'appeler OBEIA. On peut l'appeler juste tableau de bord, c'est peut-être plus simple, mais apparemment OBEIA c'est sympa. Et en fait, moi quand on vient me voir, on me dit je veux des OBEIA. Donc, bon, déjà je me demande si la personne qui me demande des OBEIA c'est vraiment ce qu'elle va mettre derrière. Et surtout je dis en général, c'est pour faire quoi? Et en général il y a un gros blanc. Et donc du coup, quand on saura vraiment ce sur quoi on va piloter les affaires, et c'est ça qui est important, moi c'est ça qui m'intéresse derrière la data. Si c'est de la data pour la data, ça ne m'intéresse pas. Par contre si j'ai la bonne data, je peux faire les bons arbres de cause, ou je peux l'automatiser, pour faciliter la prise de décision ou les analyses derrière, là ça m'intéresse. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est rassurant pour le contrôleur de gestion parce que du coup il a un vrai rôle à jouer, puisque c'est lui qui fait la suite. Et après justement je pense qu'on ira sur l'intelligence artificielle dans un deuxième step. En tout cas c'est mon point de vue. Merci Didier. Je propose qu'on passe au deuxième thème autour de la RSE, ça faisait partie effectivement de notre étude. Et effectivement on s'est interrogé avec Benoît de dire quel est le rôle que pourrait jouer... Que devrait jouer le contrôleur de gestion demain sur la RSE. Delphine, chez Make Up For Ever, j'ai compris que c'était un véritable sujet d'interrogation. Oui. Alors effectivement, au-delà de la communication auprès du client, parce qu'on reste une entreprise B2C et dans le milieu du maquillage, des cosmétiques, c'est clairement quelque chose qui était au départ... un relais marketing et qui de toute façon devient une contrainte réglementaire pour demain puisqu'il y a la loi AGEC qui est en train d'arriver. Donc pour nous, dans ces mondes-là, et surtout dans le monde, moi je suis spécifique sur le milieu du maquillage, donc ça veut dire qu'on fait par exemple pour un fond de teint, on a 40 teintes. Donc c'est des très petites forcément quantités. On ne veut jamais manquer de produits, on ne veut pas de manque à gagner. Donc on a des forecasts qui avaient tendance dans le passé, il y a 5-6 ans, à être très larges. Et puis on détruisait la partie restante et c'était un moindre mal plutôt que de manquer une vente. Demain, on ne pourra plus faire ça, ou en tout cas plus dans les mêmes mesures. Donc le contrôleur de gestion, et là c'est vraiment les sujets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est comment on va adapter le business model de l'entreprise pour répondre à ces nouvelles exigences. À la fois, c'est un levier de croissance parce que, clairement, pour pouvoir avoir une audience plus large auprès des consommateurs, il faut se mettre compliant là-dessus, mais sans pour autant perdre de la valeur. Parce que je dis ça, ça dépend un peu des secteurs, mais dans le mien, ça me fait toujours penser quand je vois au supermarché les carottes râpées et le céleri où ils ont enlevé le couvercle en plastique, où maintenant c'est juste un simple petit plastique où il faut rajouter du papier aluminium à la maison, donc c'est marqué sur l'emballage. On est écolo, on répond à ces démarches RSE.
Bon, bah, nous, derrière, de produire un fond de teint et du maquillage avec 95-98% d'origine naturelle, le coût standard qu'on appelle ce coût produit, on parle des augmentations qui sont même à 2 ou 3 points, qui du coup vont changer complètement la profitabilité en dessous. Donc là, c'est vraiment le rôle du contrôleur de gestion d'être, si je puis dire, innovant et de proposer des solutions. Et on a vraiment d'autres contraintes derrière, de se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire de ces produits-là, parce que clairement, on ne va pas diminuer du jour au lendemain, de dire... Ah bah on ne fait plus de forecast et quelque part on peut louper des ventes en se disant bah mince, on a loupé cette teinte-là, qu'on aurait pu davantage produire. Et donc c'est de réfléchir et de se dire, bon bah si je ne les détruis pas, est-ce que j'envisage d'autres canaux de distribution pour les écouler? Auquel cas, est-ce que je ne suis pas en train de mettre en... Est-ce que je ne suis pas en train de changer l'image de marque que je vais renvoyer? Voilà, c'est un peu tout le... Donc oui, le contrôle de gestion est complètement au cœur de chez Make Up For Ever de l'application RSE. Didier, chez Leroy Merlin, je suppose que c'est une préoccupation ouais. De tous les instants. Alors, chez Leroy Merlin, bien évidemment, on a une démarche RSE. Je pense que toutes les entreprises ont une démarche RSE qui est au cœur de leur stratégie. C'est hyper important. Chez nous, bon, on a toutes les démarches qui sont autour des économies circulaires qu'on peut aller créer. Donc, je rejoins ce qui a été dit avant. Moi, dans la question sur quel est le rôle du contrôleur de gestion dans la démarche RSE, souvent, ce que je partage, c'est que en fait, c'est tout le rôle du contrôle gestion qui a évolué, pas que sur la RSE. La RSE, on en parle beaucoup, donc on dit, tiens, est-ce qu'on a un rôle à jouer dans la RSE ? En fait, moi, j'ai tendance à répondre, on a un rôle à jouer en tant que contrôle gestion dans toutes les créations de valeur. Chez Leroy Merlin, en tout cas, moi, mes équipes, je les anime autour de 5 créations de valeur. Donc, il y a bien évidemment la création de valeur environnementale et sociétale. La RSE en fait partie, c'est une stratégie prioritaire. Mais aussi la création de valeur humaine. C'est pas déconnant de te dire que là aussi, il y a des créations de valeur qui sont spécifiques, qui sont pas qu'économiques. Il y a la création de valeur partenaire. Et comme nous, chez Leroy Merlin, on travaille pour les habitants, il y a la création de valeur qu'on appelle habitants. C'est qu'est-ce qu'on va faire au service de nos habitants. Et vous direz, il en manque une, donc c'est bon, je sais compter, il en reste 5. Donc la cinquième, c'est bien la création de valeur économique, et c'est bien ça qui vient boucler la boucle. Mais en tout cas, moi, en général, quand on me dit, est-ce que tu as un rôle à jouer sur la RSE, je réponds oui, autant que sur la création de valeur humaine, partenaire ou habitant. Et c'est ça qui est important, à mon avis, sur la vision qu'on doit avoir du contrôle de gestion. Le contrôleur de gestion, il a un rôle à jouer dans la possession de la data, dans les règles de gestion qu'il va poser, dans les analyses qu'il va faire, qui vont aider à la prise de décision pour aller chercher ces créations de valeur. Et donc, du coup, la petite innovation, c'est qu'on ne dit plus une création de valeur, mais des créations de valeur. Voilà. Et donc, moi, je le vois plutôt dans ce schéma-là. Et la RSE en fait partie. D'accord. Et chez Lucien Barrière, le sujet de la RSE et du contrôle de gestion? Alors, je ne sais pas chez Lucien Barrière, mais en tout cas, je pense que le contrôle de gestion, il fait de la RSE depuis 150 ans. C'est je suis totalement d'accord. En fait, bon, ok, c'est devenu important, c'est devenu, on en a fait des directions, on a mis des gens pour prêcher la bonne parole. Bon, mais à la fin, c'est pour économiser de l'argent, développer des nouveaux business. Bon, bah, on fait ça depuis tout le temps. Donc, forcément, on a notre rôle à jouer. Et puis en plus, après, quand on réfléchit 30 secondes sur qui a une capacité à avoir de la donnée, ranger, fiabiliser, ordonner, bon, un peu les RH, et puis après, il n'y a que le contrôle de gestion. Quoi. Et la finance, au sens large. Merci. Nicolas, est-ce qu'on commence à voir, est-ce qu'on pense qu'à un moment donné, les modèles de pilotage, de gestion des entreprises va se transformer pour faire en sorte que la RSE devienne un véritable pilier, un véritable élément d'enjeu de pilotage, au même titre que la finance, au même titre que le commerce, au même titre que les autres éléments? Est-ce qu'on commence à pressentir le fait que voilà, les business models vont se transformer et que la RSE va devenir un levier et aussi un élément de décision au même titre que les autres composantes de l'organisation? Oui, alors, et depuis longtemps, en fait, effectivement. Moi, j'avais travaillé sur des cas, en fait, de... Vous savez, c'est des trucs ouais, en fait, les Danone ouais, les Areva ouais, les trucs comme ça, au début des années 2000, en fait. C'était déjà le sujet, en fait. C'était déjà le sujet, c'est des systèmes de pilotage de la performance avec l'intégration de la triple bottom line, le people, profit... et planète. Donc voilà, ça, il me semble que ça existe en fait dans un certain nombre d'entreprises depuis très très longtemps. Alors, de dire que ça a percolé dans l'ensemble de l'organisation, ça c'est autre chose. C'est parfois resté un peu limité à des directions.
Je pense notamment à Réva que j'avais utilisé. Les directeurs financiers étaient, c'est pas ceux qui m'ont parlé le mieux, quoi, en fait, hein, à l'époque. Moi, c'était il y a 20 ans, donc c'était peut-être, voilà. Mais bon, je pense que ça fait son chemin, ça fait son bonhomme de chemin. On en parle aujourd'hui, les critères ESG. Moi, par exemple, quand je demande un cours, je demandais un cours de finance dans mon MBA il y a pas longtemps. La personne qui va faire le cours, j'ai pas eu besoin de lui demander de me parler de ESG. Enfin, à moi, comme je me suis assuré qu'il allait en parler. Oh, oui, non, bien sûr, c'était évident. Enfin, c'était évident. Donc, je pense que ça, voilà, ça percole, ça prend du temps, mais ça percole. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Enfin, c'est ce que je me semble constater dans beaucoup d'organisations. D'accord, donc on va sortir de simplement de la communication telle qu'elle est faite aujourd'hui et faire en sorte que ça s'intègre véritablement dans le modèle de pilotage et donc de décision. Ouais, oui, il ne faut pas oublier, parce que je crois que ça a été dit avant, mais le Profit Planet People, donc sur RSE, on pense tout de suite à sauver la planète, on va faire du green, tout ça, c'est très drôle, mais il suffit déjà de faire du profit intelligent pour que ça soit un peu, ça soit pas mal. Je pense que quand on est contrôleur de gestion dans des EHPAD, aujourd'hui, il y a une vraie question à se poser, vous voyez, enfin, c'est pas la peine d'aller faire des reportings extra-financiers, enfin, peut-être se poser des questions sur le taux de rentabilité que l'on souhaite sortir et la manière dont on sort, en fait. Pas la peine d'aller faire du glamour, en fait. Peut-être juste se poser, savoir si on fait bien son travail. J'assure rien que sur le profit, c'est déjà pas mal. Et si les contrats de gestion font ça, c'est déjà bien. Alors effectivement, c'était un des éléments qu'on a ressorti dans l'enquête, dans les priorités, dans les trois priorités qui étaient données par la plupart des répondants, c'est effectivement de s'assurer de mieux mesurer la rentabilité. Quand on parle de rentabilité, c'est rentabilité globale des produits ou des services, donc qui intègre aussi la partie environnementale à l'intérieur et pas simplement la rentabilité financière. Et effectivement, on s'aperçoit que des fois, ce n'est pas toujours aujourd'hui le cas et la capacité à pouvoir le faire. Dernière question pour conclure. Est-ce que avec toute cette montée de la RSE, donc des reporting, des indicateurs qui vont arriver, ça va nécessiter de nouvelles solutions ou les solutions que vous avez aujourd'hui vont répondre à cette question, Nicolas ? Il faut pas de nouvelles solutions. Enfin, il faut essayer de garder ce qu'on a et peut-être ajouter 2-3 dashboards, c'est très à la mode, ou aller chercher les indicateurs. Moi, je suis un fervent partisan de l'ERP, parce que ça a été dit tout à l'heure, tout est rangé, tout le monde parle le même langage, donc le commercial, il peut me dire que mon chiffre n'est pas bon, c'est le chiffre. Voilà. Et je pense qu'il faut, avec la RSE, faire la même chose. Et du reste, quand ils cherchent une consommation d'électricité, ils ne vont pas au compteur, ils vont à la facture. Voilà. Donc ça se trouve dans l'ERP. Delphine ? Oui, je dirais qu'il y aura des nouveaux indicateurs, mais qui en remplaceront certainement d'autres, parce qu'in fine, on ne va pas continuer à augmenter le nombre indéfiniment. Donc ça fait aussi partie de faire vivre les modèles, et je rebondis sur la technologie, c'est surtout ça aussi le plus dur pour faire vivre un modèle ou un ERP, c'est qu'il faut qu'il vive avec son temps. Donc le Covid, je pense, l'a clairement démontré que quand on a un modèle figé, c'est compliqué de changer. Maintenant, le tout, c'est de le faire plus rapidement et c'est de s'adapter, de se dire, bon, bah, ok, si je décide maintenant de regarder ça c'est, si vraiment cet indicateur est pertinent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des actions derrière, donc ça va nécessiter des ressources humaines, je veux dire, pas forcément RH, hein, vraiment les gens métiers qui vont devoir faire des choses derrière, et là, il faudra prioriser. Donc, il y aura un arbitrage à faire, de dire, est-ce que d'accord, c'est vraiment ça ma priorité, auquel cas, peut-être qu'on se dira oui. Et ce qu'on regardait il y a 3-4 ans, on se dira, bon, ok, c'est un nice to have, mais c'est pas un must have. D'accord. Didier, chez Leroy Merlin, une nouvelle solution pour piloter la RSE ? Je vais mettre mon EPM en place déjà avant, mais au-delà de la nouvelle solution, je n'ai pas la réponse. Peut-être, franchement, je ne vais pas rester fermé, on verra. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la RSE, comme les autres créations de valeur dont je vous parlais tout à l'heure, ça va nécessiter la capacité à brasser beaucoup plus de données. Et moi, c'est plutôt ça. On va avoir des nouvelles données et des données qu'on ne maîtrise pas. L'empreinte carbone à l'heure actuelle, selon chez qui je m'adresse, et à qui j'en parle, je pense que j'ai, alors je peux même pas citer le nombre, mais à chaque fois j'ai une nouvelle méthode pour calculer l'empreinte carbone. Ok, super. Donc bien évidemment, là ils sont tous en train de se battre pour savoir qui va poser la méthode de calcul. Bon, on va devoir brasser de nouvelles données, comprendre de nouvelles données, et donc effectivement ça c'est important, beaucoup plus que l'outil en fait qu'on va mettre en place à mon avis derrière. Oui, alors cette solution, ça renvoie un petit peu aux technologies, hein, donc je vais rester constant. On peut faire avec du vieux, ça marche très bien. J'ai
il soutient demain un doctorant qui a travaillé dans une grande entreprise pétrolière pour prendre en compte le prix du carbone en fait dans les décisions d'investissement. C'est une bête charge supplétive, hein, donc ça renvoie à mes cours d'il y a longtemps en fait, pas les miens, c'est mes profs, une bête charge supplétive en fait qu'il faut intégrer. Et une fois qu'on a fait ça, on fait déjà beaucoup de choses en fait dans l'orientation de l'investissement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h en fait pour tenir si on fait ça. Par contre, l'acceptabilité du truc, c'est compliqué. L'acceptabilité, c'est très très compliqué. J'aime bien l'idée du modèle là, de l'empreinte carbone qui ne marche pas. Juste rappeler que, par exemple, la notion d'amortissement, hein, qui est née au XVIIIe siècle, qui s'est développée tout au long du XIXe, les gens ont mis 150 ans à accepter l'idée. Ça n'allait pas de soi. Aujourd'hui, ça nous paraît une évidence de faire des amortissements. On l'explique aux étudiants sur la première notion, premier cours, en fait, ils ont du mal à comprendre la notion parce qu'en fait, ce n'est pas si évident que ça. En fait. Ce n'est pas si évident que ça. Tout le moment, ils ont compris. Hein, et puis, ça va bien, mais puis on s'aperçoit que les centrales nucléaires d'EDF, on ne les amortissait pas sur 30 ans, mais sur 40 ans, je ne sais plus, enfin, un truc comme ça, on s'était radicalement planté, donc ça ne va pas de soi non plus, il y a d'autres modèles, et pourtant, on ne les remet plus en cause ces notions-là, donc c'est aussi une question de temps, il faut que ça percole dans notre logiciel interne. Eh bien, merci à tous pour votre contribution, et puis on va pouvoir passer à la suite. Alors, dans le cadre de cette enquête, effectivement, on a essayé, et c'était l'objectif primaire, c'est effectivement de se dire, bah, maintenant, vers quoi est-ce qu'on s'oriente ? On voit effectivement que le contrôleur de gestion doit avoir des compétences encore plus renforcées sur la partie soft skills, mais ne pas négliger quand même ses compétences techniques. On voit effectivement que la technologie est en train aussi de pouvoir permettre de l'automatisation, de pouvoir effectivement apporter des nouveaux cas d'usage. On voit que la RSE aussi est en train d'arriver et que les contrôles de gestion sont en train de monter sur ce sujet. Et donc la question qu'on s'est posée, ben maintenant, vers quoi est-ce qu'on s'oriente au niveau des contrôleurs de gestion ? Alors, je vais passer à la page suivante. Non ? Oui. Voilà. Alors, déjà, on s'est posé une question, c'est de savoir est-ce que le contrôle de gestion doit toujours être attaché à une direction financière. Bon, là, le résultat est assez clair, hein, plus de 57% disent, mais on voit aussi, et ça, c'est aussi une nouvelle tendance depuis maintenant 2 ans, c'est pourquoi pas rattacher à une direction générale. On voit de plus en plus arriver aussi le sujet autour d'une direction, de la stratégie et de la décision. Et aussi, un nouveau type de direction, une direction de la performance. Donc qui ne serait pas simplement de la performance financière, comme on l'a évoqué, mais de la performance au sens large du thème. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit là depuis 2 ans. Alors peut-être aussi, encore une fois, la crise est passée par là, et le fait que les contrôleurs de gestion ont été peut-être encore plus en proximité avec les directions générales pour les aider effectivement dans cette période compliquée que l'on a traversée, et peut-être une autre qu'on va peut-être traverser dans les prochains mois, et bien effectivement on voit qu'il y a eu beaucoup plus de rapprochement entre les contrôleurs de gestion et la direction générale. Et effectivement, quand on a posé la question de savoir est-ce que le contrôle de gestion doit évoluer vers une direction de la stratégie et de la décision, ben, voilà, la réponse est quasiment unanime, hein, 80% nous ont dit que effectivement il fallait que le contrôle de gestion s'oriente de plus en plus vers cette direction de la stratégie et de la décision. Donc voilà ce qui en ressort sur cette partie-là. Benoît, si ça veut bien marcher. Oui, et dans la continuité de ce que vient de dire Olivier, donc il y a la direction de la décision et de la stratégie, et comme il l'a évoqué également, la direction de la performance. Et cette vision, ce scénario serait particulièrement en phase avec ce qui vient d'être dit, notamment dans la table ronde, et serait cohérent avec une vision de performance globale où on prendrait en considération le financier, on prendrait en considération le social, le sociétal,
l'environnemental, à l'image de ce que évoquait Didier Campanella, notamment à Leroy Merlin. Donc vraiment, on peut se demander si ce type de rattachement pourrait être cohérent avec cette vision d'une performance plurielle, multidimensionnelle, comme évoqué précédemment. Peut-être que ça peut aussi amener à rebaptiser en fait, le contrôle de gestion, parce que c'est un vrai sujet. En réalité, si la performance est multiple, est-ce qu'on peut être amené à rebaptiser le métier ? Et peut-être que dans la continuité de ce qui avait été proposé par la DFCG ces dernières années, que le terme de performance manager pourrait être une appellation qui pourrait faire sens pour justement conserver toute cette pluralité de performances à piloter. Merci. Alors effectivement, c'est ce que l'on voit. Alors là, j'avais lancé une idée il y a quelques années avec mon équipe, avec un pari en disant que le contrôleur de gestion allait disparaître des entreprises dans les 5 années qui viennent. Et donc l'objectif, au-delà de cette question un peu provocatrice, c'était de dire, en fin de compte, vers quoi est-ce qu'on va s'orienter comme nouvelle fonction ? On le voit bien avec les sujets autour de la RSE, une performance un peu plus globale, mais aussi, fin de compte, aussi la technologie. Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe outre-Atlantique, et fin de compte, commence à arriver des nouveaux concepts hein, que vous avez peut-être entendu parler, hein, qui s'appellent le self-driving enterprise ou les copilotes numériques des entreprises, basées pour le coup véritablement sur de l'intelligence artificielle. Et donc, commence à y avoir des première réalisation dans les entreprises. Et effectivement, à un moment donné, ça va questionner une partie du travail du contrôleur de gestion. Alors principalement la partie, on va dire, peu amusante, qui est la partie data crunching, mise en qualité de données, pour effectivement arriver sur la partie beaucoup plus à valeur ajoutée, qui est comment orienter la prise de décision, ou tout au moins provoquer la prise de décision. Donc c'est pour ça, ayez en tête un peu ce concept-là hein, de self-driving enterprise. Pour les sur Internet, vous allez trouver un certain nombre de vidéos qui l'expliquent, mais ça questionne, à un moment donné, effectivement, le rôle futur du contrôleur de gestion. Voilà. On en a terminé pour cette restitution, effectivement, de l'enquête. Si vous avez encore des questions, donc soit via l'application, si ça veut bien marcher, soit via l'application Outlap, autrement on a des micros. S'il y a des personnes qui veulent poser directement des questions, Romain et Amal peuvent vous passer un micro pour prendre un certain nombre de questions que vous auriez ou auxquelles on n'aurait pas répondu dans le cadre de ces présentations ou des tables rondes qui ont été réalisées. On a été super clair. On aura aussi l'occasion d'échanger pendant le cocktail de manière plus informelle également, hein, si vous le souhaitez, évidemment. Alors, des questions autour des outils de pilotage, stratégie environnementale. Alors oui, il existe quelques solutions aujourd'hui, mais en fin de compte, il n'y a pas véritablement de solutions dédiées. Ah, une question. Bonjour. Si le contrôle de gestion devait être attaché à une autre direction que la direction financière, que pensez-vous du fait qu'il n'y aurait plus de direction commune entre la compta, la production de la data, et l'analyse, le contrôle de gestion ? Excellente question. Après, ce sont des projections, des scénarios potentiels, ce qui n'exclut pas non plus de mettre les entités qui étaient historiquement dans la direction financière dans une direction plus large, qui serait la direction de la performance. Donc, après, les scénarios potentiels sont ouverts. Si je peux me permettre d'intervenir juste 2 secondes par rapport à la question qui a été posée, je pense qu'il faut aussi casser le mythe de la data, c'est la finance ou c'est la compta. La data, en fait, elle est partout dans l'entreprise. Et donc, du coup, il y a énormément de data opérationnelle. D'ailleurs, on a aussi besoin que les opérationnels s'emparent un peu de ce sujet-là
pour que ça ne reste pas que le sujet justement de la performance ou du contrôle de gestion et de la finance, parce qu'en fait c'est ça qui va nous permettre de piloter par la suite. Et donc pour moi, une data opérationnelle, elle est aussi importante qu'une data financière. Pardon, je compléterai. L'unité de temps en gestion, il n'est pas au mois, il est souvent à la semaine, voire peut-être des fois à la demi-semaine. Donc on ne peut pas attendre qu'on ait un traitement financier pour pouvoir décider. Donc ça rejoint les données opérationnelles. Oui, bonsoir. Certains disent que le contrôle de gestion n'a plus la voie royale qu'elle était pour accéder à des responsabilités dans l'entreprise. Qu'en pensez-vous ? Vous pensez à l'audit financier, peut-être ? C'était parce qu'effectivement, on pourrait penser que dans un schéma de carrière où on veut accéder à des responsabilités importantes, telles que directeur financier, effectivement, la case en audit peut être une étape forcément intéressante pour pouvoir prétendre à ce type de poste. Après, je pense qu'on peut aussi faire de très bonnes carrières en s'engageant dans le contrôle de gestion et pour prendre des postes de directeur de contrôle de gestion et pourquoi pas ensuite à terme de directeur financier. Alors, c'est une des questions qu'on a abordées effectivement dans le cadre de l'enquête où on a posé la question au contrôle de gestion. Où est-ce que vous voyez en termes d'évolution de carrière aujourd'hui, effectivement, la réponse pour un peu plus de deux tiers des répondants, c'est d'arriver à la direction financière. Toujours est-il aussi, c'est qu'on voit une évolution depuis ces dernières années, c'est des directeurs financiers qui deviennent aujourd'hui directeurs généraux, directeurs de business unit, et voire même dans certaines entreprises qui passent dans la partie opérationnelle. Donc on voit à un moment donné que, effectivement, le passage par la direction du contrôle de gestion ou la direction financière peut être effectivement aussi un point permettant d'atteindre effectivement une présidence ou des postes de directeurs généraux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir, merci beaucoup pour la qualité de la présentation. Une question assez pragmatique, quels sont les facteurs clés de succès d'un projet de mise en place d'un contrôle de gestion dans un groupe industriel, par exemple ? Excusez-moi, j'ai juste mal entendu votre question. Quels sont les critères pour réussir un projet de mise en place d'un contrôle de gestion ? Un projet de mise en place. Je dirais que, encore une fois, sur tous les projets de mise en place, à la fois d'outils ou de contrôle de gestion, j'ai toujours pour question, c'est de se poser une question en termes de maturité et de ce que l'on veut faire. Là aussi, un des éléments où moi je suis assez surpris quand j'interroge un certain nombre de dirigeants, et je leur dis, mais c'est quoi la feuille de route de votre contrôle de gestion ? Quelle feuille de route vous leur avez donnée ? En fin de compte, généralement, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Donc, une des premières questions, effectivement, c'est de se poser, qu'est-ce qu'on attend de notre contrôle de gestion ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on demande à notre contrôle de gestion ? Et ensuite, effectivement, de se poser la question sur la partie des solutions pour se dire, voilà, quelles sont les bonnes solutions à mettre en place au niveau du contrôle de gestion. Donc, moi, il y a une des questions que je pose systématiquement aux contrôleurs de gestion, c'est est-ce que vous êtes clair sur les attendus de vos clients et de votre direction ? Et généralement, on s'aperçoit que la réponse n'est pas tout aussi limpide qu'on pourrait le penser, parce que généralement aussi, il y a de l'habitude de sortir un certain nombre de tableaux de bord, et que, fin de compte, on pense que ces tableaux de bord sont toujours utilisés. Et généralement, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. Et je compléterai le rapport coût-avantage. Parce que tout à l'heure, il y a une personne, je crois que c'est vous, qui est intervenue pour dire, nous, chez Barrière, il ne fallait pas non plus mettre des trucs trop compliqués. C'est vraiment le rapport coût-avantage, parce qu'on peut mettre en place des super solutions, mais si on ne les utilise pas, c'est de l'argent gaspillé, c'est de l'énergie et de la démotivation. Donc surtout, pourquoi je le fais et est-ce que j'ai les moyens et est-ce que c'est dimensionné à la taille de mon entreprise ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Non. Parfait. Bah, je vous propose de conclure pour remercier l'Université Paris-Dauphine de nous avoir accueillis ce soir pour cette conférence. Merci aussi à nos différents invités qui sont venus partager leur vision, leur témoignage et ce qui se fait au niveau de leurs entreprises. Merci aussi à toute l'équipe technique qui nous a permis de monter cette conférence, que ce soit celle de Dauphine et de Grande Thornton. Et maintenant, je vous propose de continuer à échanger sur le sujet autour d'un cocktail qui va vous être servi à la sortie de l'amphithéâtre. Et bonne soirée à tous.